la rébellion dont parle votre avocat. On parle des milices. On dit que la milice n'est requise qu'en cas de rébellion, que dans le cadre de la rébellion. Mais vous, vous êtes de 1960. Vous avez vécu la révolution avec la milice. Elle était bien organisée, bien structurée. Et dès que vous vous présentez, c'était halte, on dit prêt pour la révolution. Et puis, voilà, c'était ça. Est-ce que c'était dans le cadre de la rébellion, ça? Non. Voilà. Donc, dites à vos avocats que sa jeunesse, c'est son excuse. Bon, pas d'attaque, laissez. Oui, laissez, oui, bon, quand voilà, ils se laissez ce conseil. Quand s'il vous plaît. C'est quand le tribunal parle, vous vous levez. Je ne sais pas pourquoi. Pas pourquoi vous ne pouvez pas vous ressaisir. C'est le temple de l'égratignure. Hein? Continuez, maître. Oui, laissez tout en laissant ses conseils tranquilles. Bon, hein. Écoutez, voilà. Allez-y. Sur l'interdiction de sortie des militaires, vous êtes militaire vous-même. Je crois que vous êtes militaire. Et le président a interdit à tous les militaires. Il aurait interdit parce qu'on ne sait pas. Parce que tout ce qui se passe contredit cette thèse, mais à supposer un seul instant qu'il est interdit à tous les militaires de sortir. Ce sont des mesures de dernière heure pour couvrir un crime. Hein? Mais pourquoi vous, vous êtes sorti? Et pourquoi ce sont les militaires bon, qui ont commis ces atrocités? Pas plusieurs questions à la fois, maître. Pas plusieurs questions à la fois. Okay. Posez les questions une à une, s'il vous plaît. Le président. Pourquoi vous êtes sorti hein? C'est la première question. Voilà. Interdiction de sortie, c'était vérifié? Si, parce que j'ai eu l'ordre du président, verbalement. Non, est-ce que le président avait interdit de sortir? Est-ce que le président avait interdit de sortir? Pour tous les militaires. Ou pour vous-même? Moi, il m'avait donné l'ordre d'aller faire une mission. OK. Mais les autres militaires étaient consignés, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ce sont eux qui sont sortis. Mais vous, expressément, vous, colonel Pivi, il vous a autorisé de sortir. Est-ce que vous n'étiez pas dans son secret? Est-ce que ce n'était pas le plan B? Parce que l'autre, c'était pour se couvrir devant la communauté nationale et internationale, mais en dessous... Si vous posez plusieurs questions avec des commentaires, on ne comprendra rien. J'explique la question parce que vous me direz... N'expliquez pas, posez la question. Posez la question directement. Est-ce que ce n'est pas parce que vous et lui... Vous étiez en entente particulière. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous êtes sorti alors qu'il y a une interdiction? Dites-lui, mais donnez-moi un ordre de mission. Je n'ai pas de réponse. Très bien. OK. Je crois que mon confrère a déjà parlé de ses passeports et autres. En vain, on a essayé de vous arracher des aveux. Vous confirmez désormais que vous étiez un ministre sans portefeuille. Si, j'étais un ministre sans portefeuille. Après tous ces efforts fournis, est-ce que vous pensez que vous avez eu une juste et équitable rétribution, une bonne récompense? Si, moi, puisque j'étais attaché à la présidence, j'avais quand même une belle réponse. Ça vous a plu comme ça? Bien sûr. Et c'est ce qui vous a entraîné dans les pillages et autres là?
Non. Pour le plan B, pour survivre, parce que vous n'avez aucun budget. Vous voyez des faits justificatifs que vous pouviez utiliser pour votre dépense. Hein? Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Vous continuez toujours le soutien. Dans quelques minutes. Oui. Pour faire voler en éclat tous les exploits de Toumba, on a parlé même des anges ici. Hein, parce que la question vous a été posée, bon, c'est en fait des questions qui ne vous étaient pas dues, mais que, voilà. Mais c'était bien comme ça, parce que ça concerne la procédure. Mais. Est-ce que vous pensez que Toumba, Cécile Raphaël, Dadis lui-même sont des hommes spirituels? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Alors, quand on parle d'ange, et il croit. Je crois qu'il y a un livre qui est publié, Roland Bock, qui reçoit la visite des anges pour dire à celui qui a posé la question qu'il doit encore se convertir. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi le général Sekouba Konaté de l'intérieur a été ramené à Conakry? Je n'en sais rien. C'est à cause de vous, et c'était contre vous, parce que vous aviez troublé la ville, la cité, vous avez déstabilisé le pouvoir, tenté de le déstabiliser. Des questions. La question, il a répondu. Posez d'autres questions alors. Voilà. On a parlé du passeport. On vous a même dit qu'un prédicateur est un charlatan. C'est très différent. Oh, un prédicateur. Posez des questions, maître. Voilà. D'accord. Nous allons aller au camp Samori. Au camp Samori. Vous confirmez, monsieur mon colonel, que là, il y avait des corps. L'ancien ministre des Finances était là, vous aussi, à l'infirmerie là-bas, et vous êtes rendu derrière le camp Samori. Est-ce que vous n'avez pas connaissance de ces corps-là? Je n'ai pas de connaissance pour ces corps-là. C'est un point très important, parce que nous y tenons, le peuple de Guinée tient à ça. Mais je ne voudrais pas que ça vous machine. Les 57 corps, comment vous les avez baptisés? Comment vous les appeliez? Les 57 corps dont parle le docteur Diaby, c'était des corps qui avaient été... Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Oui, allez. Ce que je connais, les 57 corps, comme a dit le ministre de la Santé, ces corps ont été restitués à leurs parents. Il veut savoir comment vous les appeliez. Vous leur avez donné quel nom? C'est ce qu'il veut savoir. Ah bon, à mon niveau, moi, je n'en sais rien de ça. Ce sont les portés disparus. Parce qu'on ne pouvait pas les rendre aux familles. C'était atroce. D'autres C'était questions. Invivable. Le bataillon, hier vous avez dit que le bataillon d'infanterie de Kamayen relevait du salon, donc de Toumba. Vous le confirmez? Bataillon
de Kamayen comme de Koundara, tout ça, ça relève du salon. Le bataillon d'infanterie relève du quartier général de Kansamori. C'est très sérieux ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes doté d'un talkie-walkie? Et surtout le 28 septembre, l'avez-vous? Moi, je n'ai pas. 28 septembre, je n'ai pas été là-bas, je n'avais pas un talkie. Même votre voiture est équipée quand même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sécurité présidentielle. Au moins un minimum de. Est-ce que vous aviez un talkie-walkie? Non. D'autres questions, vous maître. OK. Donc, vous n'avez rien appris entre Koya et Conakry-Manea. N'est-ce pas? Quel sentiment après le décès, c'est-à-dire que l'autre a été décapité, l'officier, là, comment il s'appelle, Bégré. Vous avez vu le corps, et vous travaillez ensemble, c'est un de vos sujets. Quel sentiment? Quand j'ai senti leur mort, ça jouait pour nous tous aussi, parce que on voulait qu'eux soient vivants pour qu'ils soient devant la justice. Non, je veux parler de l'atrocité de sa mort. Parce que c'est comme un boucher qui livrait à la vente la viande de bœuf. Qu'est-ce que ça vous a dit? Ah bon, moi je n'en sais rien de ce parti. Non, humainement, personnellement, qu'est-ce que vous vous êtes dit à la maison? J'ai bien dit au décès de ces différents noms que vous citez, nous, même en tant que responsables, ça nous a touché à tout le monde. Mon colonel, est-ce que vous avez été à l'abbé? J'ai dit bien seulement qu'il fut l'éclaireur pour l'abbé. En tant que ministre, pourquoi on ne vous a pas vu dans la loge officielle? Il faut demander les partisans de l'abbé. Moi, j'étais bien sûr à l'abbé, aux loges officielles. Et c'est moi qui coordonnais même l'emplacement de certaines personnes. Non, vous n'êtes pas chargé du protocole à la présidence, ni du protocole préfectoral. On devait vous installer. Quelle place occupiez-vous? Je veux dire, quand je vais comme percusseur, je dois regarder le terrain, je fais mon contrôle, tout. Mais moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va m'installer. J'étais déjà là-bas, donc j'étais installé lorsqu'il venait. Vous créez une société de gardiennage en tant que militaire. Pour quelle fin? Est-ce une autre milice? Est-ce que vous ne voyez pas le danger, l'incompatibilité? Vous m'excusez, la création de ma société, ça fait partie du 28 septembre? Vous ne posez pas de questions. Bon, OK. Vous répondez. Je n'ai pas de réponse. On en a besoin parce que là, il faut poser d'autres questions. OK, très bien. À quel moment vous avez signé votre procès verbal parce que vous dites qu'il vous a été fait par coup de fil? À quel moment vous l'avez signé? Alors, j'ignore maintenant la date. Mais vous l'avez quand même signé. Vous pouvez demander mon avocat, j'ignore la date. Ah, donc l'avocat est au courant que vous avez signé. C'est qu'il je a suis approuvé. Venu ici avec mon avocat, c'est ici qu'on a. Ici là, qu'on a. J'ai été interviewé. Donc c'est fait par des professionnels qui avaient affaire à un résistant et qui, par leurs moyens, ont réussi à lui arracher les paroles. C'est ça?
quand nous sommes venus ici, ça c'était dans le calme. Non, dès lors que c'est signé, je crois que vous êtes d'accord sur toute la ligne, sur tout ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Vous avez signé devant votre avocat et tout ce que vous avez régné ici est acquis au débat. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Merci.